Le versets, tu vois, les gars? C'est qui ça, Camillus Picard? Je sais pas, mais ça sonne comme une MTS. Non, mais c'était qui lui? Quelle idée. C'est rien que c'était qui? Non, il y a rentré qui est sorti, je pense. Ok, là on va voir le groupe par exemple. Là. Attendez-vous quand je parle, dis-donc. Ouais. Si vous voulez checker la troisième game, ça va être super. Oh my god. C'est un ennemi là la prochaine. C'est ça un ennemi. Good. Allez, je prends tout mon homme fort. Non 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 non. On commence pas à faire le maillet là. Là tout le monde va avoir son bon build, ouais. Ben, je vais prendre mon power forward. Des fois, tu sais, on. Depuis ben, presque, t'es plus à l'aise avec ça pour eux. Ah, depuis hier, j'ai avec ça en cuisine. Ah non, ben en... non, ben non, prends ton petit Rapidos là. Ah non, il est solide mon power forward, je te dis. Ben moi, je te le dis, quand on jouait contre là, dans les autres ligues là, quand t'avais un gros bonhomme, t'étais tellement facile à contrôler pour moi comparé avec ton petit là, mais ça, c'est mon avis. Mais... Parce que toi, ta force, justement, c'est tes L2 pis tes feintes rapides, là. C'est pas d'être gros pis pas tassable, là. T'sais, avec ça, ton attaquant, il est plus. Il est quasiment 10 kilos de plus que mon def, là. Tu vas être lent, là. Ouais, mais le fait, c'est que t'es pas lent, cet attaquant, lui, c'est ça le coup. T'es sûr? Il patine vite. Oh, il patine vite, le gros. Non, mais je parle, t'es sûr que tu veux jouer avec? Ouais, depuis hier, je joue avec ça, gros, pis je vais ton truc. Est-ce que c'est comme tu veux, big? Mais je te dis, moi là, quand on jouait contre dans les ligues là, pis je me rappelle quand t'avais ton petit bonhomme, j'avais de la misère en esti à savoir aussi que tu t'en allais pis à gérer. Pis les games qu'on a joué contre avec les Bruins là, pis que t'avais ton gros gris de bonhomme là, c'était tellement facile pour moi là. Parce que tu gardes le même style de jeu pareil, mais t'es tellement lent que genre... En tout cas... Et toi? Je vais prendre mon petit dingler au pied, mais je vais le monter solide, comme ça il va être plus fort. Ouais, mais j'aimerais mieux ça que tu sois petit, gros, de même fort dans le Là, la prochaine, là, c'est un ennemi, puis on commencera pas avant même s'ils sont prêts, ok? On va attendre un ennemi. C'est une stratégie, ça.
J'ai pas regardé vraiment la game d'avant là. C'était quoi le line-up au boss? Ça ressemblait à quoi? J'ai vu un peu Weacock, puis à part ça, il y avait quoi? Un peu Weacock, il y avait... Il est pas mauvais lui. Ouais, il est correct. Il y avait qui d'autre? Il y avait un nom que je connaissais pas, mais je pense que lui était bon. Il y avait... C'était pas des piments là, il y avait des noms pas sûrs. C'était pas des gros calices de joueurs. C'était des joueurs... genre toute la gang ensemble, je pense qu'ils font pas pire que ça. C'est pas des piments, il était capable de faire ce qu'il avait à faire. Ouais, j'ai vu ça. Fait chier les games par 10 matchs, aïe aïe. Tantôt je sors dehors avec ça dans mon entrée. Ouais. Il y avait un gros crise de BM, il avait l'air de vendre de la drogue. Genre, le regarde, okay. Il était en train de vendre des masques. Ouais. Ben, tu sais, des masques, là, pour... Ouais, ouais. Ah, oh, ouais, ok, le gars, genre, il s'est recyclé, il vend plus de la crypto, puis il vend des masques. Là, Joker, je t'entends plus. T'es un peu là, c'est parce que Dom, là, le commissaire, là, il dit prochaine fois, finissez quand même la game, même s'il y a 10 buts d'écart. Là, je dis, Chris, ça sert à quoi d'abord? La règle de. On a gagné, ils ont gagné, tu sais, par 10 buts d'écart d'arrêter, ça sert à quoi d'abord, cette règle-là? Ouais, mais ça sert à quoi d'abord, la game? C'est quoi, s'ils ont 10 buts d'écart, puis mettons qu'on en remonterait, le mettons. On a perdu pareil? Ça marche pas là, 10 buts d'écart, c'est pour arrêter le malaise là, c'est fait pour ça. T'sais, parce que t'sais, le but, moi j'ai rien contre cette règle là, pis c'est ben normal, c'est comme pour arrêter d'abuser. Mais t'sais, il me dit, il faut finir la game quand même, mais là, finir la game, pourquoi? Parce qu'on finit la game, ça va se ramasser à 15 buts d'écart. Ben c'est ça. Pis t'sais, mettons qu'on en revient, on ferait un comeback, mettons là, tu comprends? Ça ferait quoi? Est-ce que eux autres, leurs règles là... Pour moi, ils ont de la misère à se comprendre eux-mêmes. Ils sont bien brochés. Je sais. C'est l'enfer. Mais c'est pas... Dis là, tu décores, le match est fini. No. Bonsoir, il y a évidemment tout ça, quoi. Avez-vous barré le groupe pour pas qu'il y ait de jambon qui rentre?
Ouais, il est barré. Hey, avec ça, cette nuit, j'ai dormi 13 heures, man. Est-ce que ça veut dire? Je m'en doutais. Ben, moi, j'avais dit à la couche quand j'étais chez vous, je disais que c'était dormi, gros, là, il y en a besoin. J'ai dit, fais rien que le watcher pour pas qu'il wipe, là. Et après ça, tu vas chez vous. Hey, les boys, à soir, avez-vous joué une game à domicile à date? Bon les boys, oui, tu peux faire tourner ça Corps, ils sont prêts. Puis by the way, c'est pas Mick qui est dans le but. Ah je sais, je suis en train de parler avec sur Messenger. Ouais moi tout, il m'a parlé de la fête des 10 buts, je savais pas qu'il fallait qu'on finisse la game. Non, ça c'est Dom qui t'a parlé, c'est pas Mick. Bon, ah ben Mick aussi il m'a dit. Le règlement c'est que la game est finie, t'as parlé. Ah mais c'est marqué ben, si c'est 10 buts à la fin d'une période, donc... Fait que dans le fond, il aurait fallu qu'il finisse cette heure. Ben, je sais pas pourquoi, mais bon. Ah, ok, en troisième. Mais tant que. Ok. Ouais, ben, en tout cas, c'est spécial. Ça devrait juste être par 10 buts, peu importe la période, on quitte, pis on gagne, d'habitude. Ouais, ben, c'est ce que je me demande. Parce que si on quitte pas, pis y aurait un comeback, là, tu sais, des fois, le matin, je sais pas, moi, le goaler vient innocent, pis ça étende pas faire sa job, pis on reviendrait, que ça ferait, tu sais. Ouais. C'est ça qui est malaisant, là, tu sais, qui est comme pas comprenable, là. Ah, en tout cas, faire un combat de tout mon gars. Non, ce que je veux dire, en deuxième bâton là, ça serait 10-0 en deuxième bâton là. Puis là, on montrait ça là, 10-10, tu sais, c'est... En tout cas... C'est difficile. Voilà. Bon, on va aller go. On va chercher ça. De toute façon, on va pas mieux de fait, pas de stress. Bon. Ouais, j'ai une belle connexion parfaite. Bah oui, on voit tout du monde un peu là. Tant que Joker monte pas trop, ça se passe pas trop en train d'aller. Quoi tu parles? Bon, nous. Just moments away from puck drop, both teams seem ready to go. Oh,
dropped and we are underway. This has been one we've been waiting for a while, and it's time to finally see what the payoff is all about. Howe's got it through center. Moves it to Howe. Lugs the puck into the offensive zone corner. And he loses control of the puck. Costs up the puck after that hit. Great defensive stick work on the play. And they can't connect. Takes the pass. Rimouski's got possession here in the neutral zone. Grabs the puck. Sends it across the ice. Into the corner. Here's a blast. Blocked in front. And he puts that one aside. Yes, sir. Yeah, he looked like he had made the save, but that's in the back of the net for a goal. I always thought playing goal was tough. Now you gotta stop your own guys too. Rimouski's got that lead. They were talking about wanting to quiet that home crowd here. Well, they certainly did. Out of the gate quickly. A couple of shifts. Now they're up 1-0. They gain possession here inside the neutral zone. Hammers him in the open ice. Tries to make a move and can't hang on to the puck. Howe's tendency is to shoot the puck. This time he overhandles it and loses it. There's the whistle. Offside is the call. Still lots of time left in the period. We got a 1-0 game to this point. The Huskies win the faceoff. And now it's grabbed by Howe. Drew and Durando's got the puck here in the open ice. Oceanic's got the puck along the wall. Nice pass. Rimouski's got the puck in their own end. Agostini's got the puck now in his own end. Into the offensive zone. Slides it across. Oh, they telegraph the pass and he picks it off. The Huskies have intercepted so many pucks in the middle of the ice. Really good positioning. Their sticks are in the right spot. And they kept the game close. There's a shot. That goes wide. Puck leaves the zone, forcing a mass exodus. Carries it in. Nice save by the keeper to trap that puck to his chest. Je vais faire un tie-up puis qui vient chercher. While the centers are jammed up, nice job by the winger to steal the puck. Puts the puck on net with the stop. Joker. Il leur donne en arrière. Okay. Je reviens en haut. Sends a pass over. Reads it perfectly, breaking up the play. Quick feed to AJ. Great read to break up the play. Oh, and he tracks it perfectly in the offensive end. Oh, set that hit up perfectly. And that banks off the stick. Through the neutral zone, moving the puck along the side. Hein? The Huskies pick up the puck. Sorry, sorry, guys. Ah ben? Oh non, ben c'est parce que je voulais être sûr dans mon option. Oh, je sais, mais quand c'est trop long, là, c'est oh, je sais, mais ma passe était déjà craquée, c'est juste pour ça. Ouais, mais c'est pas grave, tu peux bouger ton bâton par là. Non, non, je comprends ce que tu veux dire, mais il aurait fallu que j'annule ma passe. Non, non, même pas. Mais tout ça me fait sans la def des fois. Si tu mets ton bâton d'un bord, là, t'attends l'option, mais c'est trop long. Non, non, mais c'est pour ça, mon piton, il était déjà craqué. Ouais, mais c'est pas grave, tu peux arrêter de toucher à ton bâton, tu peux continuer à patiner. Drives it to the front of the net. Gives them nothing in front. Really good positioning. Moi, c'est quoi, du net à gauche, puis ici, quand on joue proche du net, là. Comme ça, si jamais il y a un retour ou quelque chose, on va en avoir tout le temps qui est là. Moi, je me promène. Here's a chance right in the slot. That's blocked. And they'll be forced to tag him after that missed pass. And he moves it up to AJ. Laying the body. Bertrand's got it in the offensive zone. Shot the glove, making it look easy on the play. Nope. Oceanic's got the lead here late in this first period. What? And a solid job tying up the opponent. I'll reset. Moves the puck.
ça. C'est bon ça, back moi avec ça, ok, c'est bon. C'est tout, ça cause. And now it's over to AJ. AJ's got it against the boards. Hey, whoa, fuck it, man. C'est volable. Ah, c'est ma faute. Sorry, man. Ah, bonhomme, il a pas viré du bord au bord. And play resumes as the puck is dropped. Faut juste qu'on trouve le moyen de faire des jeux peut-être un peu plus dangereux. On se fait des give and go cards. Si ouais. Jamais plus qui est ouvert de l'autre bord, au fait, tu y passes pas. Ouais. Let's go boys, on lâche pas. Voilà. Hey, toi, Carl, ça allait te jouer pas mal à soi? Je sais pas, là, j'avais une pratique là, pour avec les gars pour le tournoi. Là. Ok. Tu me diras si ça tente le plus tard faire du 3S avec Janis pis Jeff. Là. Ouais. Ou si tu veux continuer ta carrière de farming. Ouais, je sais pas, il faut voir à dire. Ah, il est gratuit pour un mini-simulator, ça là. Ouais. Bon, il y a du le boss. Parlez jamais. Faites attention à ce que vous dites quand il est là, c'est le coloc à Dom, le commissaire de la ligue. Ok. Ok, c'est ça. Je dis pas de. Faut qu'il arrive à rien. Là où est mon machine? Oceanics gain possession along the boards. That's just a great hey, là, hit là. At center ice. Pas trop temps, okay. Sends the pass over. Rimouski's got the puck along the boards. C'est ça. Swing and a miss. Bertrand's dangerous and he's got the puck now. Ouais, he had cool the go-ahead down, goal ouais. Earlier on. Moves it quickly over to Agostini. Ooh. And there's the save. Bobo. Quel bord ton bonhomme, toi, machine droite ça, il gaucher, hein? Ouais, c'est bon. Hey, Freaky, je fais un tie-up, les gars. And as the puck is dropped, they win the draw here inside the defensive zone. Dumps it in. On voit son oeil. Takes control of the puck. And pokes the puck loose inside the offensive end. Fires one on goal. Comes up with the stop. I think he got a blocker on that one. C'est pas ça que je vais appeler, hein? Rimouski's got a hold of it along the wall. Snaps one here in the slot. Stopped by the goaltender. J'ai beau Oceanics lead here in the second period, a direct result of being the more aggressive team offensively. Parsons has won the draw. Takes control of the puck. Up to the challenge as oh, he gets en plus, ça déflecte, man. Inching closer to the midway mark of the period, we've got a 2-1 game. Play resumes here as he wins the draw inside the offensive zone. And that shot goes nowhere as the lane was filled. He must have step here. He's in, all alone. Dunbar's him on the breakaway.
Oui. Non, moi, c'est en arrière le goût. Yeah, pretty good positioning here, James. He makes the two stops back-to-back. Here they are on the attack. Rocks him against the board. That's a great hit. I love the way that he took the ice away and slammed him into the wall. La place. Into the corner of the attacking area. And that's broken up with a stick in front. Can't keep a hold of the puck after that play. Oh, good job, machine. T'as bien fait. Hey, c'est n'importe quoi. Zone and back to center. Moves around along the half wall. Right out front. Quick save. Oh, c'est beau ça. Sometimes very close, there's no room to put it anywhere. The goalie smothered it all. Rimouski's got the puck along the wall. Ah, tabarnak. Robitaille's lugging the puck. Here they come on the attack. Well, that'll get a response. Agostini's ready to go. Oh, ta gueule, je l'ai fait tout à l'heure. Oh, j'avais quasiment le goût de ton bâton, gros. Ouais. Vraiment pas. Rokan's been in some discomfort since he took this hit. A clean hit right through the body. Oceanic's message going into this one when we talked to them at the morning skate was to get a lot of pucks on net. They've done just that, and they lead as a result. Ah, il est là, non? Comment ça, je l'attends pas? Denies him on the play! Centered out in front! Rimouski's got a hold of it against the wall. Brings the puck into the offensive end now. The Huskies gain control of it. Picked up along the boards by Howe. And the pass is picked off. Pass right on the doorstep! Good hit on the Castro's gonna cut it up and get a whistle. Even with the traffic starting to close in, he had to grab that when he did. Oceanics and a nice job of generating. Hey, je l'école, là, je t'accrisse par la bande ou en lob. The frozen biscuits dropped and we are back underway here. C'est beau, ça. And manages to clear the zone. Oh. Loses his balance on the play. Regains possession at center. Corbett's carrying it ahead. Ruin Arando's ready to go on the attack. Puck moved over to Robitaille. Toss it up in the neutral zone. Pas trop tard. Kloon's taking the puck now here inside his own territory. Rimouski's gained possession along the boards. Receives the pass. That's just textbook positioning to break up the play. They've got numbers, and he makes the save. If you're going to leave a rebound, it might as well be 30 feet away from the net. That's a really good stop because the puck's out of danger. Knocked away. Rimouski's got possession here in the neutral zone. Second intermission approaching quickly here. Robitaille's taking it from his own end. Takes the puck at the point. Takes a shot. Gets a glove on it to make the save. Go les boys, on améliore notre défense, mais en général, notre équipe, on va y en encaisser un autre. Nice start winning the draw here inside the offensive zone. Oh, c'est à cause que tu l'as vu. Good job, mon Teddy, d'avoir bas. Number 2, 2-1 is where things sit after two periods of play. And we are just moments away from the start of the third period. Je crois que t'as eu.
moment of truth for one team. Here we go. Third period is underway. Well, we've got two periods under our belts to this point so far, Ray. How do you see things? Ryan Miranda's had such a meager total of shots on goal. Predictably, they haven't scored. They've got to get more pucks to the net. Intercepts the pass, and that shot dies in traffic. Corbett's got the puck in his own zone. Quick pass to Kiprusoff. Man, les boys, and tries to make a diagonal pass to AJ. From along the... He scores! Now you got to keep clawing back. Trailing in the game, they get the equalizer. This has to be frustrating. He's in the right spot. He makes the save. Well, at least goals in the net. Lots of hockey left to be played in this period. We are all tied up in this one. From the neutral zone now. Grabs the puck here inside the offensive end. Rokan's got it in the defensive end. Takes the feed. From the point, looks to make something happen. Good hit. And he was right there. They can't connect. Bertrand's stick handling in his own zone. And a smart heads up read to come up with the puck. Read it perfectly and breaks up the play. Tape to tape pass to center. Centering pass. Here's an offensive chance. Puck scooped up by Robitaille. He grabs the puck here at the point with authority. Taken along the wall by Robitaille. Kind of lost control for a second there, but regains possession. No room for that one to get through. On the attack and on the boards. Quick feed down low. And he regains control of the puck. Moves it to Howe. Puck picked up by Robitaille. Sent into the offensive zone. Oceanics got the puck along the boards. Through center along the wing. Takes the pass. Through the offensive zone and behind the net now. Back more freaky. The Huskies scoop it along the boards. Dished on over to Rokan. Here's a chance. Ah, tabarnak! They take the lead. Well, it looked like this game was going to be even for the longest time because nobody seemed to have the upper hand. Once he gets in nose-to-nose with the goaltender, you're always trying je to sell sais, the man, shot. Just see, man, he has punk power. Puck is dropped and play resumes. Over the line they come. And a great save. That's not even a rebound anymore. It's like a cleared puck. Off the goalie and into the corners, the safe place. Ruin Arando's got it in the neutral zone. Quick feed to Rokan. Nice pass. Look at the Savardian spinorama. Blocker save, and he's showing up big time tonight. High quality chance, high quality save. Here's a short pass to Howe. The Huskies get a hold of the puck in their own end. Looks to get the puck over to AJ. Icing is called, stopping the play dead. La bine, là, derrière ton bord, c'est pas un truc de cul, ça, là. A critical draw here. Bon, let's go, là, c'est le temps. Back underway, and they take possession here inside the offensive zone. Scoops up the puck here. Let's go, faut que ça roule. C'est trop long. Ruin Arando's got possession here in the offensive zone. Centering pass! Pokes it away to keep the pressure on. Great defensive effort with the strip. Rimouski's got possession at center. The Huskies grab possession to the puck. Offside. Oh, 3 minutes, les gars. Little cheeky there. Garder nos positions un peu les bonnes. 3 minutes. Ruin Orlando's been the better looking team over the last few minutes. They'd love to build on this one goal lead. Moves it quickly over to Howe. Right to the middle. Deflected away. He scores. Yes. And we're all tied up late here in the third. You can never quit. Keep plugging away. You look for that time goal. They got it. C'est beau ça, free game. Je suis bon, man. Late third period goal, sir.
certainly opens up a lot of decision-making for the coaches, doesn't it? It does, but they must feel pretty good about their position because they just scored. I suspect they've got a little bit of a leg up, even though the game is tied. 17 minutes, 30 seconds. Ruin Aranda's got a hold of it along the wall. Quick pass to Kiprasov. Sends a pass over. Nearing the final minute of the third. Tries to feed it over to Howe. Right in the slot. Huge play in his own end to come up with the puck. Takes it across the blue line. Takes a shot. Mais oui, toi! Hey, y'a un goal. Ça, c'est du goal dans tabarnak. Son groupe de puck à côté, man. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait, gros, pas ça. Yes, sir, mon freaky, il a eu sur le tape, patate. Combien 40 secondes, là? Ouais. Oubliez pas, aidez à faire rouler ça sur la banque, si vous avez pas d'option. On est là, nous autres. Oh, partait tout seul, mon gars, tu connais. Oceanics not far from the finish line here as they lead it late in this third. Center's jammed up and the winger grabs the puck. Pass across to Howe. The Huskies gain possession in their own end. Makes the save. Got ça, Davy. C'est bon. Ouais, 10 secondes, le boy. Chris qui est long la dernière minute. Il reste à gauche un peu plus vite quand je la monte. Tu peux pas le faire. Comme ta bande, comme je te l'envoie. Howes won the face-off. Picks up the puck in his own end. Moves it to Agostini. There's the whistle icing the call. Ça me fait chier les face-offs là, soit qu'elle m'arrive direct sur moi, ou sinon c'est comme là elle était sur le côté, ça m'enlève mon temps. On reste les corps. Puck is dropped and he wins the draw here in the defensive zone. Quick feed to Howe. Ah oui. Tour de pénalité. Ben oui, tour de pénalité. Bon, on met le clou là. Ouais. En plus, j'ai pas choisi le bon. Hein. Ouais. Ben non, non, fais-le. Oceanics 7 secondes, ok? Faites attention au Cherry Pecker. Ouais. Culteur, culteur, pété, père, culteur. Mais bon, prenez votre temps. C'est bon. Non, on est allé chercher. C'est bien correct. Bon, tu prends une photo, Colbs? Bon, je m'occupe. Hey, Davy. Cette game-là, là, ça aurait dû finir 4 à 2. À 1. Pas de ta faute, là. Non, ben, il y a un but qui était correct, mais les autres, gros, ça avait pas rapport, là. Je le sais, gros. Ouais, je sais, ça, c'est comme si ça pognait ton équipement, puis après elle rentrait, genre. Les deux, man. Ouais. Hey, ça paraît, là, moi j'ai pas joué de la soirée, là, pis pas de la journée, là, ça paraît, j'étais à la frette en tabarnak, là. Mais toi, Steph, t'es tout le temps à la frette. En tout cas, c'est pas trop gênant, le CR dans notre bord. Hey, avec ça, ça va chercher ton 1000, là? Ouais, il marque pas go. Il marque pas go, t'as dit? J'ai dit, il marque pas gros. Grosse job, mon freaky, hein, grosse job, freaky.
Non, c'est spécial. Hey, les boys, moi j'ai une game à aller jouer avec des gars live, puis après ça, je reviens. Fait que quoi, juste à prendre une photo pis tout est chill. Hein. Ouais, tout est chill, je vais sûrement faire les stats demain, je vais voir avec la team. Là, fait que... Yes.